Et là, on lésine pas sur la com. Elle est très belle, hein, la vôtre. Comment? La structure mesure 15 mètres et en hauteur, ça fait 6 mètres à peu près. C'est 5-6 mètres. Et là, en ce moment, on a 30 enfants à l'intérieur à peu près, hein, c'est ça? Une vingtaine, une bonne vingtaine. D'accord, et on peut aller jusqu'à 30.
marché le flash ou quoi? Je crois pas. Il n'a pas marché? Ah oui, d'accord. D'accord. Ça a marché parce que c'est qui en cause? Refais la mise au point. Cette fois-ci, la marche. Je peux la servir le monde. Mettez-moi votre nom, votre adresse mail. Fais voir ta cible, ce que tu as. Quand c'est groupé comme ça, ça peut pas être mieux parce que si la carabine est. Alors vous avez de la cryptographie. Qu'est-ce que c'est la cryptographie?
Maintenant un coup très speed. Allez, maintenant fais un peu plus vite. C'est Candice qui a gagné. Attention, t'es prêt? Ouais. Oh, alors, qu'est-ce que c'est ce jeu? Ça, c'est Crazy Cat. C'est un jeu en fait où quand on retourne des petites images comme ça, ouais, soit elles sont dans le sens donc de haut en bas. Elle est trop forte. D'accord. D'accord. Il y a son bras. Allez, continue. Là, enculé. Allez, jaune, noir, rouge. Ouais, c'est ça. Alors, attends, mais c'est dans quel sens tu veux? Comme ça, ou comme ça, comme ça? Ah oui, non, c'était jaune, rouge, noir, ouais. Sonne, il dit bleu. Ouais, c'est ça, c'est jaune. Mais j'ai déjà sonné. Jaune, rouge, encore noir, ça. Et après tu fais vert et bleu. Ouais. Et bleu. Ah, tu fais voilà, comme ça. Ouais. Ah, cette fois, t'as vu. Bonjour, vous êtes quelle association et qu'est-ce qui se passe ici? Alors moi je suis en fait la fondatrice et gérante de Lilou. C'est un atelier de loisirs créatifs et jeux de société pour les enfants dès 3 ans. Et j'ai ouvert il y a quelques mois sur Aiguille. Donc je suis au 295 route de la Calade et j'organise plein d'ateliers en fait pour les enfants. Je fais aussi l'organisation des anniversaires, des ateliers découvertes, des ateliers parents-enfants. Et des stages pendant les vacances. Qu'est-ce que vous allez proposer aujourd'hui? Alors aujourd'hui, les enfants ont la possibilité de faire deux choses. Un petit bougeoir pour la fête des mamans. Ou un petit bilboquet. Alors moi, je suis pas très douée. Mais le but, c'est de mettre la bille dans le trou. Voilà. Donc voilà, comme ça, mais moi, j'y arrive pas. Encore une petite démonstration du bilboquet. Hop, voilà. Merci. Merci à vous. 3, 4, 5, 8, 6, 7, 8, ça se voit bien. 8, 9. Ah, t'as gagné. Bon, ben, je sais déjà que j'ai gagné. Voilà. C'est un super jeu éducatif et pour les parents éclatés. C'est comme Tetris. C'est comme un Tetris, exactement. Donc. Comme Tetris, mais en vérité. Voilà. Alors. Un bête Tetris, c'est que.
perdu sa fraise. Mais que tu jolies. Vas-y. Tu veux? Oui, là tu vas me filmer pendant que je fais le jeu avec Nico. C'est bon. On tourne déjà presque tous les stands. J'attends qu'il y ait un peu de bruit. Oui. Oui. Ça y est. Ah oui, c'est complètement Tetris. Alors non, regarde, vous allez avoir tout. Vous allez avoir tout. Tu remplis ce petit cabriolet avec toutes les pièces que tu as là. C'est le premier cabinet. Avec ses grandes oreilles et sa... Allez, c'est parti. Merci. Tu m'as eu là. Chacun son tour de là. Bravo. Ouais, on a déjà.
Bonjour. Ça c'est pour toi, ça c'est pour vous, et je vais essayer de faire un éléphant. Je suis pas sûr d'y arriver. Hein. On essaye? Démasqué. Mais que tu es jolie. Yeah.
tu les deux frères plombiers. Héros, pas zéro dans les jeux vidéo. Bizarre, bizarre, tout paraît bizarre chez les plombiers. Quand ils réparent les fuites, ils partent dans les tuyaux. Vas-y, montre-moi lequel. Bonjour. Oui, bonjour. Vous pouvez nous expliquer ce qui se passe ici sur ce stand? Ben ici, on présente des insectes, voilà, de toutes sortes. Et puis, en bout de table, vous avez droit à une dégustation d'insectes grillés. Voilà, tout simplement. Alors. Maintenant, si les enfants veulent dessiner, ils peuvent dessiner sur des papiers transparents. Et après, grâce au rétroprojecteur, on projette la recette sur un écran. La société Waka Waka. Alors, c'est pour la déco, ok? Au ballon, la structure de ballon. Il y en a vraiment qui ont mangé ça? D'accord, je te fais des trucs. Quoi? Il y en a qui ont mangé. D'accord. Voilà, comme ça, est-ce que toi, tu veux les tendus dans le ballon. D'accord. C'est très bien. Ta main. Vas-y. Ça sent quoi? Ah oui? Bonjour, là, bonjour. Là, je sais. Vous voulez m'aérer maintenant? Ah, voilà. Je reste là, je suis là. D'accord. Non, mais. Ça, c'est les ados.
enfin, il n'y a pas grand chose, c'est plus après midi déjà. Qu'est-ce que c'est la cryptographie? C'est... Ah ben non, ça c'est pour tout le monde après. Là je récupère. Voilà. Il y a une espèce de tambouille, tu vas voir. L'art de découper une feuille pour passer entièrement son corps à l'intérieur, la devinette sur le jour de naissance, on devine à tous les coups notre jour de naissance, un jeu avec des allumettes, le jeu des sept ponts, et on fait quelque chose de très à la mode. Cette voilà, année. Donc en fait, on prend, on a la vendre au marin, et verveine. Les enfants, ils mettent dans ce pot, ils coupent la plante pour qu'elle diffuse un petit peu son parfum, on met de l'eau, et après, ils les mettent dedans, ils partent avec. Vous êtes magicien en quelque sorte. Tout à fait magicien. On vous invite à participer tout à l'heure pour en recevoir la preuve éclat. Quelle est votre association ? Exprime Jazz. Vous pouvez dire, mon association, c'est... Mon association, c'est Exprime Jazz, école de danse. Aiguille.
qui se passe sur ce stand? Alors, on travaille la faïence, on découpe des petites formes pour accueillir après des huiles essentielles. Alors, dans le hall, vous avez trouvé de quoi vous restaurer. D'ailleurs, je vois certains gourmands qui ont déjà commencé. Donc, vous avez le stand de crêpes que vous avez à lui mettre. Réalisation de ce matin. Vous avez des boxes. Donc après ça va cuire et ils pourront les récupérer. Une petite surprise à l'intérieur. Comme ça on met n'importe quelle huile essentielle dessus. Oui, oui, oui. Une fois cuit, on peut mettre des huiles essentielles dessus. Et comment s'appelle votre atelier, votre association? Atelier Dorothée. Atelier Dorothée. Et ça va être l'association assez. Totalement ouvert sur le rez-de-chaussée. Que ce soit à l'intérieur et à l'extérieur, les deux salles de danse sont aussi occupées. Vous avez une salle de danse avec des châteaux gonflables, des activités pour les enfants, et l'autre salle de danse avec l'ACE qui vous propose un parcours de gym. Voilà. Et vous avez aussi en face, cette année on délocalise, vous avez en face la bibliothèque pour tous qui vous propose des activités sur la parvis et à l'intérieur de la bibliothèque. Voilà, et ils sont aussi présents à l'intérieur de la salle de spectacle et à l'intérieur de Saint-Georges-de-Guyane. Thank you.
part de là. Do. Papa, il doit savoir me jouer quelque chose. Moi, je joue la Rachmaninoff. Allez, avec les pieds comme ça. On va les claquettes. Non, non, je suis là. T'en as une, Star Wars. Voilà. Allez, vas-y. Star Wars avec les pieds. Ah, on a des pros, hein. Ah, ben oui, hein. Et papa aussi, parce que toi, mais ici, t'en as pas. Il est passé sur le coup. Merci, messieurs. Bonne journée. Ouais. Alors, Ramaninoff, tu le coupes. Hein. Reviens, c'est Star Wars. Ouais. Allez, c'est validé. Papa, tu veux ? Et un papa. Un papa. Et alors, je coupe de la guitare. Que... Tu vas en faire encore aussi ? Fais-en encore. Allez, vas-y. Tiens, comment c'est là sur le dos? C'est là le dos. Do, 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 do. La, sol, la, si, do. Demi-tour. Regarde ma ficelle magique là. Ouais. Coupe la ficelle avec tes doigts. Coupe. Ça va facile. Bravo. Wow. Allez, encore une fois. Coupe. C'est extra. Même avec la manivelle, on peut les faire. Regarde la manivelle. Et dans l'autre sens. Tu veux essayer? Alors, essaie avec la ficelle d'abord. Eh bien, très bien. Comment ça marche? Ça, oui, c'est une bonne question. Qu'est-ce qu'il y a? Alors, déjà, qu'est-ce qu'il y a dans la bouteille? Un aimant. Non, pas d'aimant. De l'eau. De l'eau, oui.
paille. Une paille. Une paille, oui. Et puis un peu de pois. Quelques trombones. D'ailleurs, est-ce que vous avez envie d'éclater un ballon? Oui. On a toujours envie d'éclater un ballon, je ne sais pas pourquoi. Alors. Oh, on n'a pas éclaté. Oh. On éclate? Oh, ça n'a pas éclaté. Il est fort, hein. Tiens, ton barbe à papa. Mais c'est pas à manger, hein. Alors, salut les enfants. Alors, on était là. Ficelle magique. Je comprends. Sur la bouteille. Bravo, alors on explique à tout le monde comment ça marche. Alors, qu'est-ce qu'on disait? Il y a de l'eau, il y a une paille. Il y a des trombones pour donner du poids. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de la paille? Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur d'une paille? De l'air. De l'air. C'est pour ça, hein, l'air est léger, du coup ça flotte. Mais si on appuie sur la bouteille, comme il disait votre copain, l'eau, quand on appuie sur la bouteille, rentre dans la paille. Les systèmes paille, air, eau deviennent lourds. Et alors, ça goule. Quand on relâche, l'air reprend sa place et alors la paille remonte. C'est génial. Juste la pression de l'air. Alors, vous êtes là, on est fort, on est costaud, on lance une fusée que ça porte bon air. Vous avez envie? On lance une fusée. Voilà, voilà. On ne dit jamais non à une fusée. Allez, c'est parti. Il faut monter au moins 4 mètres, hein. Il faut dépasser le bâtiment. Oula. Alors, on a besoin de quelqu'un chargé d'envoyer l'air. Quelqu'un qui tient les tuyaux sans marcher dessus. Génial. Ah oui, la fusée c'est hyper simple, hein, c'est basique. Il est où? C'est juste encore un papier comme ça. Il est où? Regarde, si tu l'enlèves, ça va se dégonfler là. C'est le contraire. Il est où?
danseuse de l'association Théo Tahiti. Bravo Maëré pour tout ce que tu fais. Merci de nous avoir proposé ce spectacle. L'association Théo Tahiti fera son spectacle ici même le 15 juin, samedi 15 juin, avec une journée, avec toute une animation toute la journée, avec beaucoup de stands. Allez, on de, passe dedans maintenant. De mais j'ai pas écrasé. Bijoux, alors écrase. Monoï, Pareo, Maillot, voilà. Vous aurez de quoi vous restaurer sur place et tout. Voilà, donc rendez-vous le 15 juin pour l'association Théo Tahiti. Donc encore un grand merci, on profite aussi pour se retourner, pour saluer la régie. On remercie Lionel et Frédéric en haut qui font le son et la lumière. Merci. Allez. Vas-y. Prochain rendez-vous sur scène ou à l'extérieur si le temps le permet. Ça sera pour la démonstration de karaté à 14h. Là, impeccable. Je pense bien à vérifier les bracelets parce qu'il y a des gens qui rentrent de tous les côtés. Ouais, ouais, ouais. Ah ouais, je le fais. Moi, c'est juste que mon bracelet, il se casse. Oui, mais ça, c'est parce qu'on a les vestes. Aujourd'hui, il fait froid. Moi, sur moi, ma veste, elle m'enfonce. Ah. Voilà. T'as essayé, moi? Je mets où, là? Ouais. Ok. Oui, alors je vous rappelle à tout le monde, aux associations et aux participants et aux enfants, pour pouvoir participer à toutes les activités qui vous sont proposées, il faut vous munir du bracelet jaune que vous trouvez à l'entrée, à la caisse.